Sortir les Congos de l'isolement et nouer des partenariats de développement, telle est la principale motivation de la visite de travail du chef de l'État en Allemagne. À l'aéroport de Berlin, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, a été reçu avec tous les honneurs comme le veut la tradition. Aussitôt après cette parade d'honneur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu au Bundestag, le Parlement allemand, par son président Wolfgang Schäuble. Cette première rencontre d'une trentaine de minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer des questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Le député président a transmis au chef de l'État congolais les encouragements du Bundestag sur la volonté du cinquième président de la République de sortir son pays de l'isolement et de s'engager dans la voie du développement. Toujours au Bundestag, à l'initiative de la Fondation Frédéric, le chef de l'État a été reçu par les parlementaires allemands du groupe d'amitié germano-africain. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a développé sa vision pour les Congo, l'Afrique et le reste du monde dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantagé. Le président de la République devrait rencontrer ce même jeudi dans la soirée des hommes d'affaires allemands très intéressés par l'énorme potentiel d'investissement en République démocratique du Congo. Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne suit de très près le chef de l'État congolais et sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, notamment l'Allemagne. L'un des moments forts de cette visite de travail germanique sera la rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière avait diligenté à Kinshasa il y a quelques mois son ministre des Affaires étrangères pour préparer cette visite. Okay, cool.